Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous ce soir, soirée IndyCar chez FRS. Bienvenue donc pour cette sixième manche qui va se dérouler sur le circuit de Sebring. Voilà, enfin on revient sur du circuit routier après deux séances qui se sont passées sur des ovaux. Donc voilà, on est de retour à Sebring, on va se faire un petit point. La course va démarrer vers 21h, on va avoir les qualifs normalement d'ici une grosse dizaine de minutes. Et donc on va se faire un petit point voilà, sur les classements, sur ce qui s'est passé sur les courses précédentes. On va voir ça ensemble, les résultats. Donc à la dernière course, c'était l'IndyCar, c'était le circuit de Pocono. Et forcément, et bien voilà, je vous affiche normalement le résultat. Vérifier sur le live que tout est bon, oui ça a l'air, vous êtes 4 sur le live, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des soucis de son ou quoi que ce soit. Donc voilà, la dernière manche à Pocono, c'était Alexandre Bouanchot qui a remporté la victoire devant Philippe Rimbaud et devant Christophe Demey. Voilà, belle victoire d'Alexandre Bouanchot, ça faisait un moment qu'il courait après une victoire sur un ovale, ben ça y est, c'est chose faite, il a réussi à gagner cette course. Derrière, on a un des prétendants au titre du championnat, Matt Monestier, qui finit 5e, François Stemets, qui est 6e. Donc, du coup, voilà, Alexandre Bouanchot qui marque de gros points. Et comme ça, ça me permet de vous montrer directement le classement pilote. Le classement pilote, le voici, le voilà. Allez, on a donc Alexandre Bouanchot qui est devant maintenant, hein, avec. Alors moi j'ai pas bien le truc qui est affiché sur mon écran, voilà, on a Alexandre Bouanchot qui est devant François Stemets avec 19 points d'avance et avec 23 points d'avance sur Matt Monestier. Donc voilà, le trio de tête hein, depuis le début de la saison, c'est trois pilotes qui se serrent les coudes, enfin qui jouent des coudes plutôt, et voilà, ils sont à 23 points. Kylian Hinault qui est un petit peu plus loin, 4e à 43 points, et après Christophe Savaria qui est toujours dans la course aussi. Voilà, on est que sur la sixième course, vous avez vu, on en a 14. Cette année, le championnat est un petit peu plus long. Donc voilà, on a fait un tiers de la saison. Et c'est quand même assez serré. Donc je vais vous montrer la suite du classement pilote. Ensuite, on a donc Christophe Savaria, je vous ai dit, Bastien Roche, Alchin, Chiapara, Demey, Pongae. Ensuite, à la 11e place, on a Charles Lambert. Ensuite, Basile Verdier, Maxime René. Maxime René qui est remplaçant surtout à Noval, mais qui a marqué des gros points. Philippe Rimbaud, Axel Lopez, pareil qui est remplaçant a priori. Alexandre Frouin, Thomas Berger, Maxime Cloutier, Guillaume Pelletier, Tanguy Nadman. Et ensuite, on a sur la dernière page des classements, Julien Besson, Damien Pribelski, Kevin Riggs, Paul Van de Waal, Augustin Dulin et Steph Philander Pirelli, je crois qu'ils nous ont rejoint il n'y a pas très longtemps. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas trop de points. Et donc du coup on a aussi un championnat constructeur. Alors pour vous montrer le championnat constructeur, je vais quand même vous montrer le line-up pour qu'on comprenne un peu ce que je vais vous dire. Voilà, vous allez voir que en IndyCar, les équipes voilà, sont composées entre 2 et 4 pilotes. Du coup, on a voulu faire un championnat constructeur, ce qui n'existe pas en vrai en IndyCar. En IndyCar, ce n'est que des championnats constructeurs moteurs. Et nous, on a voulu faire un petit championnat constructeur team. Et du coup, en fait, les équipes qui ont plus de 2 pilotes choisissent les pilotes qui vont marquer des points. Et donc, ils choisissent 2 pilotes qui marqueront des points lors de la soirée. Et alors, je vais vous retrouver par magie les pilotes de ce soir. Donc chez Andretti Autosport, ce sera François Stemets et Steph Philander, donc qui seront de marquer des points pour leur équipe. Chez Arrow McLaren, c'est Kylian Hinault et Matt Monestier, forcément les pilotes en tête sur le championnat. Chez Chip Ganassi, Basile Verdier et Alexandre Frouin. Et chez RAL, ce sera Philippe Rimbaud et Tanguy Edelman. Donc le classement constructeur, il est là pour l'instant, Voilà, c'est McLaren qui est devant là, pour 30 points. Devant Rahal. Rahal qui a marqué des gros points déjà et qui est performant. Ils n'ont pas fait des très grosses perfs, mais ils ont été présents souvent. Et devant Andretti Autosport. Voilà, ça c'est pour le
classement constructeur. Alors, ensuite, on va revenir un petit peu. Je vais vous remontrer là. Alors, attendez, alors que j'ai ça. Ok, c'est bon. On me parle en même temps. On va revenir un petit peu hop, sur donc le calendrier de notre saison. On a quand même pas mal de choses à vous dire avant que ça démarre. D'ici quelques minutes. Voilà, donc nous sommes à la sixième manche à Sebring. Là, ensuite, nous allons avoir une petite pause pendant les fêtes. Il va pas y avoir de Grand Prix pendant les vacances, normalement. Et donc, l'IndyCar reviendra le 14 janvier à Watkins Glen. Voilà. Le 14 janvier à Watkins Glen. Ensuite, nous irons sur le circuit de Barber. Ensuite, nous aurons un ovale à Chicagoland. En dixième course, on aura Laguna Seca. Le 10 mars, nous aurons notre fameux Indy 225. Ensuite, le Grand Prix de Sonoma, suivi de Road America et de Phoenix Raceway. Le Grand Prix de Phoenix, le dernier ovale qui clôturera la saison. Voilà, ensuite, pour vous dire, je vous le rappelle, si vous êtes intéressé, nous avons cette année lancé un deuxième championnat en parallèle, plus petit, pour s'occuper entre les courses d'IndyCar. Donc, on a lancé un championnat à LMP3. On est déjà une douzaine de pilotes assez fréquents. Donc, si on pourrait récupérer un petit peu plus de pilotes, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. On a déjà fait deux manches, une sur Spa, une sur Watkins. La prochaine sur le circuit du Mans. Alors, attention, la date risque de changer parce que le 21 janvier, c'est les 24 heures de Daytona sur e-Racing, donc la date va sûrement changer. Mais voilà, la prochaine course se fera sur le Mans, ou à la fin des vacances, ou un petit peu plus tard en février. Ouais, ça va bientôt se décider. Voilà. Donc, où est-ce qu'ils en sont, nos pilotes? On pourrait peut-être aller en jeu directement voir où ça en est, mais j'ai pas l'impression que ça roule pour l'instant. Normalement, ça devrait attaquer d'ici une ou deux minutes. Hop, alors on va fermer ça. Est-ce qu'on a du pilote qui roule? On a l'air d'avoir du pilote qui roule. Alors, dans la session, qu'est-ce qu'il nous reste comme session? Il nous reste 50 secondes, ouais, là, normalement. Dans une minute, on va passer aux qualifications. Alors, on est sur Guillaume Pelletier en ce moment. Guillaume Pelletier qui avait un très bon rythme normalement. Qui là pour l'instant sur mes data aurait fait le meilleur temps en practice. En 1.39.700 devant Matt Bonessier 1.39.800 devant Christophe Demé 1.39.900 et Boinchot qui est plus loin à 5 dixièmes. Voilà, donc ce serait Guillaume Pelletier pour l'instant qui a le meilleur temps du practice, mais bon, c'est du practice. Ah, ça y est, ça va partir sur le sur la qualif. On va peut-être faire, on va aller voir un petit peu les informations de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sebring. 23 degrés dans l'air, une piste à 29 degrés, il fait bon, il fait frais. Donc ça va. Hop, allez, on va se mettre sur Bouroncho. Qu'est-ce qu'on pourrait vous mettre comme information? On va vous mettre. On va mettre le meilleur temps.
Allez, on est allé sur Alexandre Blanchot là. Va falloir qu'il laisse un petit peu un gap. S'il ne veut pas être gêné sur son tour de qualification. Alors, rappel, c'est une qualification ouverte. Et les pilotes ont 15 minutes pour faire le meilleur tour. Je rappelle en IndyCar, deux styles de gomme, les rouges et les blancs, mais ça ne fut pas sur le choix de pneus au départ. Voilà, Blanchot qui est de la place et qui va se lancer sur son premier tour lancé. Allez, c'est parti, le dernier virage, et ça passe la ligne de départ. Allez, vous allez voir là, on va avoir un long gauche un petit peu à l'aveugle. Il passe très fort, quasiment à fond. Un gauche droite lent, re-suivi d'un gauche assez piégeur. Parce qu'il est très serré, on s'en rend pas compte. Là, on va avoir une deuxième ligne droite, avec possibilité de doubler au freinage. Une petite, là c'est un style de chicane. Avec la accélération qui se fait des fois un petit peu avec le pneu dans la terre. Allez, ça passe bien là pour Alexandre. C'est propre. Là, le gauche. Là, on arrive sur un style de piste d'aéroport un petit peu. Là, je me demande si c'est pas long en fait. Je crois pas. Pas sûr. Voilà, circuit bien bosselé à l'ancienne, bien américain. Et on arrive sur le dernier virage. Rapide. Pareil avec beaucoup de boss, l'accélération est compliquée. Et voilà, ça va passer le premier tour. Allez, Matt Monessier qui fait le meilleur temps pour l'instant à 1.40. Battu par Alexandre Blanchot à 1.40-211. Avec Christophe Savaria qui vient de passer la ligne à 1.41-2. On va aller se mettre sur Alexandre Frouin. Et bonsoir messieurs. Et bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah bah, très bien et vous? Ah, ça va. Ça va pas mal. Ce briefing s'est bien passé? Oui, toujours. Les pilotes sont de plus en plus attentifs. Ah, c'est plus rapide en routier qu'en ovale. C'est vrai. Il y a moins de choses à rappeler. C'est vrai. En tout cas, on dit déjà bonsoir à notre cher Michelito qui est sur le chat. Et salut Michelito, et n'hésite pas à nous dire si les volumes sonores sont corrects. Tu as 5 minutes de qualification. Alors, je viens de m'entendre, personnellement je suis un peu bas. Maxime, si tu peux dire une phrase très intéressante. Et bonsoir à tous. Ah non, c'est bon, je suis revenu normalement. D'accord. Ouais, tu étais un peu bas, mais je savais monter déjà. Ouais, Maxime, légèrement plus haut. Très léger. Tu le veux plus haut ou il est plus haut? Non, le mettre un petit peu plus haut. Allez, c'est parti, voilà. Très légèrement, mais Maxime, je pense que ça va. Allez. Alors, on a toujours Alexandre Blanchot qui est en pole position virtuelle. Et pour l'instant, avec Monestier, c'est serré, là, les deux premiers, pour l'instant, sur le temps. Alors, j'ai une petite carte joker pour ce soir. Je vais miser une petite pièce sur monsieur Christophe Demey. Voilà, ben. Alors moi, je vais miser sur Guillaume Pelletier. Et eh ben j'ai bien fait de donner ma pièce puisqu'il vient de prendre la première place. On va aller voir d'ailleurs Guillaume Pelletier. Ouais, Pelletier qui est pas loin non plus sur ses premiers chronos.
et Besson qui prend la 6ème place provisoire pour le moment. Une 4964, 1 millième. Ça se joue à 1 millième avec Frouin. 1 millième d'écart sur un long circuit. Hein. C'est assez rare. On attend également au rendez-vous François. Alors on sait qu'il est plus à l'aise sur piste ovale. On va voir comment il va se débrouiller aujourd'hui. Alors François qui est rentré au stand. Sinon, il y a Maxime Cloutier aussi qui peut être pas mauvais. Oui. Qu'on n'avait pas aux dernières courses, hein, il me semble. Hein. Non. Donc c'est un peu son retour. On va voir s'il va revenir en guerrier. Pilote suisse. Une voiture qui était dehors, qui tendait la pelouse. Petite information pour nos spectateurs. On a un pilote normalement pénalisé ce soir. Enfin, il y en a deux. Il y a un pilote qui malheureusement, Bastien Roche, qui est suspendu pour cette course. Et un pilote pénalisé, Charles Lambert, mais qui malheureusement pour l'instant n'a toujours pas donné de signe de vie. Ah ben c'est finito là, il prend plus rejoindre. Et c'est finito en effet. Donc voilà, donc il devait avoir un départ des stands qui sera donc eh bien reporté à la prochaine course à laquelle il participera. Et Maxime Cloutier qui va finir son tour normalement. Et 10ème seulement. Ouais, à une seconde de Savaria. Hein. Une seconde pleine. Hein. Tanguy qui est également sorti, Tanguy qui est en chrono, piste assez bosselée, hein. On est sur un circuit assez utilisé quand même dans la saison. Et on est aux États-Unis, on ne refait pas de resurfaçage tous les 3 dimanches. Donc, ni tous les 10 ans. Ni tous les 10 ans non plus, voilà, c'est un peu plus espacé, donc on sent que la piste a bien vécu et continue de bien vivre, hein, puisque pour l'instant ça a l'air d'être ok pour les organisateurs. On voit qu'il y a un peu des plaques de goudron par-ci par-là pour boucher, boucher quelques trous. C'est un peu du ouais. Piste un peu faite de briques et de broc en tout cas. Et Mad Monestier qui me prend la pole position provisoire, une 39-7. Oui, c'est le premier qui passe la barre. 40. Ah, tout à l'heure, en practice, ils étaient 3 et 30 sous d'une 40 tout à l'heure. Et bah, Christophe Domé, voilà, une 39-803 qui le suit à 50 millième. Et je me suis trompé, Tanguy a lancé son tour chrono, il était en tour de sortie. On a également Rimbaud qui a pas de chrono et... Ah ben voilà, c'est fait. 9ème temps, une 41-222 et Steph qui est pour l'instant au stand. Ouh, Pelletier qui a failli mourir dans le dernier virage. Et merci Titi TV, Sisté de follow. Ah ben c'est notre ami Damien qui malheureusement est bien trop fatigué pour voilà. Oui, Damien. Ben, qui est bien trop fatigué pour participer ce soir et qui sort des 24 heures Forana. Eh oui. Donc bravo à lui en tout cas pour participer à cette belle course organisé tous les ans. Et avec Sam Bouanchot qui améliore mais qui reste troisième.
Oui, et Tanguy 7ème pour son premier chrono, alors qu'il avait Bouanchot qui était devant, j'ai l'impression qu'il suivait plutôt le rythme, mais... Bon, après, il y a 5 dixièmes d'écart, donc c'est... 6 dixièmes, pardon, donc c'est pas énorme. En tout cas, notre cher Damien est là. Et ben, bonne course, du coup, depuis le lit, ou le canapé. Il reste... ouais, pour une 4 minutes... Ouh, il frouille qui se met dans le mur. Ah, ça tapait sec, hein. Ah. Ouais, le vibreur l'a envoyé. Ouais, je pense qu'il est monté un peu trop. Ouais, il a accéléré dessus. Alors, qui est-ce qu'on a qui sort en amélioration? Peut-être Tanguy. Tout le monde est en piste, non? À part Steph qui Basile est pas en piste, Julien Besson est en piste aussi. Ah oui, François aussi. Ben, Steph qui ne fera plus de chrono, et François non plus, donc ils vont partir du fond gris. Alors Tanguy, est-ce que ça améliore? Non, ça n'améliore pas. Alors, est-ce que Christophe Demey est un tour chrono ou ça peut aller? On a également le retour ce soir de deux pilotes, hein, Florent Licence. Ah oui, c'est vrai, il y a Flox. Deux remplaçants et Julien Besson, qui était là au tout début de la saison. Et Florent qui prend un petit vibreur. Froid est au stand, Tanguy est au stand, ça repartira pas, je pense. Il y a quelqu'un qui sort des stands maintenant, mais il va falloir se dépêcher. Oui, 1040, c'est raide, oui. Et Christophe Demey, qui je pense n'a pas envie de laisser la pole à Monessier. Hein. Mais Monessier qui revient d'améliorer. Ouais, et Demey qui vient de mettre la roue un petit peu dans le sable, donc. À voir. Est-ce que. Demey, il arrive sur le dernier virage. Ça a un petit peu glissé là, il a failli la perdre. Et bonsoir Vito qui vient de nous rejoindre. Sur... Et Demey, pole position provisoire. Ah, 678, il lui a presque mis un dixième plein également. Alors est-ce que Monessier maintenant peut améliorer parce qu'il reste 55 secondes. Bon, je vais aller voir Pelletier. Ah, avec un bon chaud, lui il est au pit donc c'est finito pipito. Eh ben, ça va jouer. Ah, mais il y a Mad Monestier et Pelletier juste derrière. Donc, Ouais. Oh, la voiture, comme elle rebondit ici. Oh, et Pelletier dans le mur. Ah, ouais, Pelletier derrière. Ça a trop. Malheureusement, attaqué. Sera quatrième au maximum. Au mieux. Au mieux, voilà. En tout cas, ils utilisent bien toute la largeur de la piste. Monestier qui a un petit peu frotté. Dans le gravier, la roue a été un petit peu marquée, mais finalement il n'a pas dû perdre de temps. On arrive dans le dernier double droite, même quasiment triple droite. Ah, c'est finito. Ah, il rentre au stand. Il l'a perdu au dernier virage. Ah, je serais quand même allé au bout. Tanguy, je vois qu'il y a les noms des années avec des équipes sur le côté, alors je sais pas si ça correspond au vainqueur des 12h de Sebring, 24h. Je suis pas sûr, mais il y a écrit Audi, bien. Toyota avec tous les 90, 91, 92, je ne sais pas. Avec le drapeau qui correspond au pays de la marque. Et ben ça ne bougera plus, non? Il reste un pilote en piste, il nous reste Tanguy. Non, je le vois même pas rouler en fait. Ah, moi je vois Tanguy. Tu le vois rouler? Ouais. Autant pour moi. Ouais. Numéro 21, voiture numéro 21. Pilote en 7ème position pour l'instant. Il est peut-être en amélioration également.
Il est... Techniquement, il peut passer 5ème, hein. Il a que 75 millièmes à faire pour battre Verdier et Frouin. Oui, c'est sa 5ème. Après, je pense que la marche est un peu trop haute. On arrive dans le dernier secteur. Avec la première grande ligne droite arrière. Comme en ovale. C'est vrai que le dernier virage, moi, me fait penser au virage 8 de la Turquie. En un peu plus large, quand même. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Attention, c'est la surprise! Je vois pas de surprise. Je vois pas vu d'amélioration. Pas de temps arrivé. Est-ce qu'il finissait juste pour... Pour de la data, un peu d'entraînement, je ne sais pas. Est-ce qu'il a coupé quelque part ça... Et non, pas de surprise. Et bah, Basile Verdier nous dit que c'est les vainqueurs sur la droite dans les stands, d'accord. Bon, bah, du coup, voilà. Du coup, les équipes vainqueurs, hein, parce que j'ai pas vu de nom de pilote, j'ai vu que des noms d'équipes. Hein, donc. Une très longue liste de Audi, d'ailleurs. Allez, on va s'afficher le résultat. Donc Christophe Demey qui est en pole position pour 84 millièmes devant Matt Monestier. 2 dixièmes plus loin, on a Alexandre Bouanchot. Guillaume Pelletier à 5 dixièmes de la pole. Basile Verdier, Alexandre Frouin, Tanguy, excusez-moi. Et etc, etc. Ouais, 84 millièmes, c'est assez serré. Ouais, et on peut voir que les deux équipiers... C'est-à-dire François et Steph partiront du fond de grille. Ah oui, mauvaise perf pour François, tout à fait. Ben ouais, la Chandretti, ça, c'est un peu la soupe à la grimace. Alors Steph, apparemment, ça m'a l'air volontaire, hein, puisqu'il a même pas essayé de sortir, donc je pense que c'est une stratégie de ne pas faire du tout la séance qualificative. Par contre, du côté de François, ouais, c'est un petit peu plus lent. Donc, à voir. Étrange de ne pas faire la qualification. Il doit ovale, y avoir une raison. En ovale, ça peut se comprendre, mais là... Je pense qu'il y a une raison. Alors, les conditions de piste n'ont pas trop changé. On est à 30 degrés maintenant de température de piste. Et donc là, pour savoir, voilà, on a 5 minutes de warm-up pour que les pilotes, après les qualifications... puisse aller faire le petit pipi de la peur, boire un coup, etc. Et c'est l'heure du pipi de la peur. Voilà, tout à fait. Même pour les commentateurs, s'ils ont envie, attention. Hein. Alors, en effet, les conditions de piste, on est à la date, hein, parce qu'il faut savoir que sur les racing, il y a des circuits qui ne sont pas ouverts. On a les dates d'ouverture de circuits réels. Il y a des circuits comme Watkins Glen que vous avez pu voir en... On ne peut pas faire avant avril. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui ferme l'hiver parce que c'est situé dans le nord, dans l'état de New York. Et donc l'hiver, il y a de la neige. C'est un peu compliqué. Alors que là, on est en Floride, donc le circuit est ouvert toute l'année. Donc on n'est pas sous les chaleurs tropicales de l'été. Floride, hein, de juillet août, mais bon, il fait quand même 24 degrés dans l'air, c'est pas mal. La piste commence à se réchauffer à 30 degrés. On rappelle qu'il n'y a pas de couverture chauffante, hein, donc c'est quand même important pour les pilotes, ils sont quand même assez rassurés quand la piste est plutôt chaude. Il n'y a pas énormément de vent, 7 km/h pour l'instant, c'est pas, ça devrait pas perturber les pilotes. Sur un circuit où il y a beaucoup de courbes rapides, hein, donc un coup de vent peut vraiment tout faire basculer. Hein. En plus de la bosse, du vibreur, ça tient vraiment sur un fil parfois. Ouais, c'est surtout que là on les a vus déjà avoir un petit peu en difficulté avec les pneus rouges, donc les pneus tendres. Ouais. Donc voir comment ça va se passer avec les pneus durs. Ouais, pas chaud et ouais, à voir. Et la piste qui vient de reperdre un degré d'ailleurs, vous voyez comme quoi. Ça se joue en temps réel, 72 km/h dans les stands de limite d'ailleurs. Bon, l'entrée des stands n'est pas la plus
compliqué normalement. Le Pace Car ira à une vitesse maximale de 97 km/h si il est bien sûr déployé pendant la course. Allez, dans une petite minute, ça va démarrer. Alors du coup, vous nous avez dit Pelletier, une petite pièce. Ah bah là, maintenant j'ai vu les qualifs, je suis moins sûr. Ah, ben bah, je garde quand même votre pièce. Je pense qu'il va. Je pense que oui, mais je le sens pas en confiance. D'accord. Il va nous faire du Pelletier, j'ai peur. Ah, alors on va voir hein, ce qui va se passer. Je garde ma pièce sur Demey, du coup qui partira en pôle. Est-ce que Monsieur René a une pièce à mettre? Oh, moi, sur Flo, mon collègue. Ah! Ah oui, là, très c'est bien. Là, c'est... Mon coéquipier d'endurance, mais c'est... bon, ça sera pas la pièce pour la victoire, je pense. Notre ami Flo. Alors attention, hein, parce qu'on connaît. Ah oui, il est performant sur la longue. Les... Non, mais il peut y avoir des belles surprises. Je reparle de notre ami François, mais qui va partir 13e aujourd'hui, et qui pourtant est 2e du championnat. Vous voyez? Allez, le warm-up est finito. Le pipi de la peur aussi. Et normalement, ça va pouvoir partir pour 30 tours ce soir. Et donc 1h30 maximum de course, comme à chaque fois, vous avez l'habitude maintenant. Alors là, c'est là où on va rigoler, parce qu'on va voir les pneus. Normalement, je vous les ai affichés. Je vous ai mis les push-to-pass. Alors je vais vérifier en même temps si c'est les bons que je vois dans le jeu. Parce que à chaque fois c'est quelque chose. À chaque fois il y a des différences. Alors que toutes les belles livrées sont présentes. Alors ce qui est bien c'est que maintenant que je suis admin, je vois directement les incidents, les off-track dans mon logiciel. Oui, vous êtes un admin maintenant il paraît. Oh c'est beau. Alors, je vois tout le monde en. Alors, non. Non, Julien Besson, lui, il est en blanc. Rimbaud ouais, en blanc. Sauf Rimbaud. Stemets en blanc. Philarder, Steph en blanc. Steph, ouais, et Besson. Et ben, ça veut dire que les deux Andretti partent du fond de gris et en hard. Donc, elles ont vite envie de se débarrasser. D'accord. Dans une et ben, ça va être rigolo. Et une minute, comme d'habitude, hein, de grid. Les pilotes sont déjà partis. Et donc là, on a un tour de formation entier alors. Bah là, il est complet. Hein. Ouais, on a un tour de formation entier ici. Alors qu'on a vu que à Mid-Ohio, il y avait 3 virages. Donc là, au moins, les pilotes vont pouvoir bien se préparer. Ils vont pas être lâchés tout de suite. Oh, il y a un pilote qui a dit... Ouais, ah non. Ouais, il y a eu un lag. Ouais, c'est Pelletier. J'ai eu très peur que ça saute, mais au final... Non, il n'y a pas de ping trop... Bon, il y a Pelletier qui est à 100. Les conditions de course qui n'ont pas bougé. Hein. 13h, 17h heure locale. 29 degrés sur la piste, 24 dans l'air. 8 km en devant. D'est, on voit qu'il y a des plots. Regardez, il y a des plots qui ont été touchés pendant le warm-up qui n'ont pas été remis par les commissaires. Si tu parles du troisième plot au freinage, il est toujours comme ça. Oui, parce que je dirais, les plots d'Ariel Racing reviennent toujours. Ah, bah il y avait quelques plots sur le côté, hein, quelques plots orange. Il y en avait deux ou trois qui étaient couchés. Hein, c'est pour ça. Ah, d'accord. Après, voilà. Ouais. Je sais qu'il y en a un ou deux qui sont couchés, c'est le 3 et le. Je sais plus lequel. Ah, c'est de l'esthétique. Ils ont laissé, ouais. Ils ont laissé les plots. Je sais pas pourquoi ils sont couchés, mais il y en a quelques-uns là et plus dans le virage. On va arriver dans le second secteur. C'est un circuit où il va falloir jouer avec les limites de piste. On a vu hein, les pilotes sortir très large. Ouais, mais je me rappelle pas que ce soit un circuit vraiment très gênant pour ça.
Oui, bah justement, je pense que c'est pour ça qu'il les utilise. Je vais vous afficher la track map, ça peut peut-être vous servir. Allez, hop. Ouais, je l'ai mise personnellement aussi pour voir un peu les écarts sur la map. En tout cas, préparez le popcorn, messieurs dames. Le départ à Sebring, c'est toujours quelque chose. C'est un peu comme un départ à Long Beach, mais en un peu plus large. Dans la grande ligne droite, les pilotes sont toujours... Ils sont restés en formation quasiment tout le tour, hein ? Oui. On leur demande de se mettre en formation dans le dernier secteur, mais là, ils ont bien tenu leur ligne. Ils sont très disciplinés, ils ont envie d'en découdre. Il y en a certains qui essayent de chauffer un peu les pneus. On sent la tension monter. Ouais, ça va laisser la voiture de sécurité prendre peut-être un petit peu d'avance pour qu'elle rentre. Ouais. Et puis elle va rentrer d'un coup. Comme d'habitude. Ça va être beau. Allez, ça va bientôt partir. Et c'est le green. C'est parti. Ouh, et derrière Basile Verdier. Ah bah Verdier, il les a déboîtés directement. Il est à l'intérieur. Il est prêt à freiner. Ouais, il est même prêt à prendre la tête. Là, tout dépend de freinage. Attention. Pas si mal parti que ça, ouais, c'est parti un petit peu dans le sable, mais finalement tout le monde s'en est bien sorti pour le moment. Bon, tout se passe bien derrière. Qui prennent un peu ouais, le temps derrière. Et est-ce que Mad Monestier va directement attaquer? Et ça c'est plutôt bien. Il attaque. Goupillé. Il y va Monestier sur Christophe Demey. Il y a une petite touchette en sortie de virage. Froin également qui a directement passé Blanchot derrière. Ils sont toujours à deux de front devant. Je te passe pour Monestier. Pour un beau virage. Et Demey qui résiste bien à l'extérieur et qui se remet devant lui. C'est chaud, t'as vu. Verdier qui arrive à suivre pour l'instant. Ouais, tout à fait. Ouh, Monestier là qui a failli partir avec la terre. Ouais, faut qu'il fasse attention parce que derrière il va pas lui faire de cadeau non plus, Verdier. S'il peut passer tout de suite, il va y aller. Steph qui laisse passer François derrière entre équipiers. On arrive déjà dans la première grande ligne droite. Il est encore parti dans l'herbe. Hein. Monestier, il faut qu'il fasse attention. Et là, c'est Basile Pelletier qui se fait attaquer. Pelletier qui a mis un push to pass. Guillaume Pelletier, votre cheval gagnant là. Et ici, on peut quand même défendre. Assez agressivement dans le double droite. Et pour l'instant, un premier tour ouais, sans encombre, mais ça attaque. Hein. Pelletier qui remet encore un push to pass. Ah oui, je n'ai pas les push to pass, oui, donc c'est important. Il y en a déjà utilisé 3 en un virage. Ouh là là ! Ah oui ! Pelletier ! Oui. Oui. Ah, il y croit, hein ! Il pense peut-être que c'est limité. Ah, mais souvent il vaut mieux l'utiliser, se débarrasser de quelqu'un de plus lent. Non, mais c'est vrai, pour être tranquille après, pour essayer de faire le gap. En tout cas, pour l'instant, devant, ça se colle. Il commençait à avoir un tout petit écart avec Flo qui est à une seconde de Blanchot. Et derrière, ça se battait là, Endemann, Cloutier. Oh, ça touche. Oh, ça touchait. Ouais, il y a un bout qui est parti. Ah, le bout d'aileron s'est remis pour notre ami suisse Maxime Cloutier. Je ne sais pas si c'est un netcode, mais en tout cas, pour moi, il y a eu touchette. Hein. Ouais, netcode puis touchette, oui. Mmh, ouais. Malheureusement. Oh, je viens de voir le beau logo replay. Ouais, c'est beau ça. Ah, ça c'est du professionnalisme, messieurs, dames. Et maintenant, il y a Besson qui a également pris un petit écart avec licence. On commence à trouver un peu ses marques sur ce circuit sinueux. Basile Verdier qui a un push to pass. Est-ce qu'il va attaquer? Oui, il est loin. Ouais, parce que là c'est pas pour se défendre, je pense, c'est surtout ouais, pour remonter. Et ah, ça a fonctionné, il a repris 2 dixièmes. Il faut qu'il tienne.
Après, l'aspiration joue un petit peu quand même, hein, dans les deux lignes droites. Bon, Besson qui perd un temps fou, hein. Ouais, Besson, sur licence. Ouais, il commence à se... ça commence à se décrocher le top 7, là. Philippe Dehard, hein, aussi, hein, je prends Besson. C'est vrai. Et Rimbaud qui est derrière aussi. Alors par contre, derrière, c'est Tanguy et Savaria qui doivent se dire on est mal placé. On va être bloqué par les pneus hard qui sont devant. Et devant, ils vont tenter de s'envoler. Alors qu'on a Steph qui roule à son rythme. Hein. On sent qu'il est pas à l'aise, Steph. Il est très très loin. Il a déjà 17 secondes de retard, ouais, sur son équipe. Oh, Savaria qui vient de partir. Énorme, ouais. Et Rimbaud. Et c'est Rimbaud. Alors il y a Rimbaud dehors. Moi j'ai Rimbaud dehors. Alors peut-être qu'il y a Savaria qui était pris dans l'accident. Non, c'est Rimbaud. Pas... La voiture bleue, je crois que c'était Savaria, ouais. Mais c'était Rimbaud. Ouais. C'est Rimbaud. Alors il est reparti de lui-même. Hein, Il a fait revenir en piste dangereuse donc. Hein. Ouais, il a reculé un petit peu rapidement et il a perdu l'avant. Il y a l'avant qui ballotte un peu là. Ouais, je pense qu'il a. Alors je ne sais pas si on a cette information, mais je pense qu'il a les. Qui va être obligé de rentrer, qu'il a les repair needed. Oui, je confirme. Ouais, ouais, parce que là, l'avant est en sacré mauvais état. Et regardez Boanchot sur Frouin, peut-être pour la cinquième place dans le dernier virage. À l'intérieur. Et Frouin qui tient bien à l'extérieur aussi, il tient sa ligne. C'est pas mal joué. Ouais, Frouin qui a un peu plus d'accélération, mais ça va se jouer à pas grand chose, hein. Ouais, il insiste pas, Frouin. Oula, il est même allé frotter le mur. Il a failli taper le mur, hein. Ouais. Et Licence qui s'est bien remis derrière. Alors, ces deux grands copains. J'espère qu'ils vont pas se télescoper. Et Rimbaud Pit. C'est logique, Rimbaud Pit qui devrait utiliser. Je pense que. Moi, je suis pas sûr que les suspensions ont souffert. Mais on va voir s'il utilise le fast repair. Ah, c'est dommage pour Rimbaud parce que oui, il faisait un début de course correct et puis surtout qu'il devait faire tenir ses pneus durs le plus longtemps possible. Hein. Là, c'est pas la bonne affaire, hein, pour ceux qui ont les pneus durs d'avoir un incident maintenant. Alors, la voiture s'est vite rebaissée, donc je ne sais pas. Il repart pas tout de suite. Donc... Il fait peut-être pas de fast repair, il fait peut-être des réparations. Classique, il a 26 secondes d'arrêt déjà. S'il y a juste un aileron, c'est une quinzaine de secondes tant que les. Oui, tant que les suspensions sont. Ouais, ouais. Mais quoi que s'il a un repair needed, normalement c'est qu'il y a quand même des dégâts un peu plus importants. Ouais. Okay, toujours au puits, on vous tient au courant, ce serait bien de repartir avant que la meute ne revienne parce qu'elle est déjà dans ce dernier secteur et Tanguy qui va peut-être tenter sur Besson pour la 8ème place, il a pris l'aspiration. Il va se décaler maintenant. Ça devrait passer. Ouais, et en plus ils ont pas les mêmes pneus. Donc pour l'instant, les pneus tendres ont encore un avantage en ce début de course. On attaque le cinquième tour. Et Rimbaud qui est toujours au stand. Donc ouais, les réparations sont plus longues que prévu, j'ai l'impression. Et merci à Vini Racing qui nous a follow. Je ne sais pas si ça a paru chez toi. Si, tout à fait. Tu es en train de regarder la bagarre à Boanchot. Ah oui, et Verdier aussi. Qui est assez chaude là. Alors ne vous inquiétez pas, hein, Verdier n'est pas en manque d'inspiration, c'est qu'il n'a pas de livret. Enfin, il a une livrée noire classique. Hey, nice Racing. Yes, we have a Discord. Je sais pas si tu peux mettre un lien du Discord si on a un lien quelque part. Ah oui. Hop, je vais le faire avec. Tac tac tac. Je vois qu'on a des bons bilingues dans cette cabine. Je vais le mettre dans le chat, mais normalement oui le lien est sur la page de la chaîne. Dans le chat. Après, je sais que le bot le met des fois. Ouais, Alexandre Boanchot, push to pass.
Eh ben Silverdier qui se défend bien. Et ça se passe comment là alors avec les push to pass parce qu'ils en ont un peu abusé au début de la course? Peltier qui en a plus que 6, Brancho 8, non ça va, ils en ont pas trop tous utilisés. Ça va. Frouin qui tient encore une fois, hein, comme à la dernière course, hein, Frouin qui fait un très bon début de course. Alors on espère que ça va aller. Ça bloque là, mais ça passe. Ouais. Ouais, j'ai vu un peu de fumée aussi, ça m'a fait peur. Ah bon, Choc est bien ressorti là, mais c'est dur d'aller doubler ici, il est loin. Ça bloque bien l'intérieur pour Verdier. Oh le retour. Oh Verdier qui s'est décalé, énorme accident, il y a un tonneau je pense. Oh là 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 là, c'est parti, mais très loin. Et j'ai perdu la vue après. Et ben Boancho qui est directement rentré dans les stands. Alors est-ce que c'est le jeu qui l'a remis dans les stands Parce que je pense qu'il est parti en tonneau. Non? Parce que ah ouais. vu comment la voiture partait. Ouais, non, je sais pas. Ah oui, il est parti direct dehors de la piste. Ouh là là là. Alors Verdi a de la chance s'il a pas de dégâts, je vous le dis franchement. Aïe aïe aïe, Boancho, voilà, c'est la catastrophe complète. Hein. Ah, il y a écrit Tho. Moi sur mon écran, TOW. Ouais, en fait il a été propulsé hors de la piste et du coup ça l'a ramené immédiatement au stand avec un towing. Et donc on a une safety car qui est sortie. Oui, la SC est sortie. Oula, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu cette ESC en routier. C'est vrai qu'elle sort moins qu'en ovale, hein, c'est logique, mais ça va regrouper un peu les pilotes dans ce tour numéro 6, 7 bientôt. Alors là, c'est pareil, est-ce qu'il va avoir le... Oui, il faut qu'il ait coché le fast repair pour qu'il l'ait à la fin du towing, c'est ça, hein? Elle a le problème, je pense qu'il a tout le towing pour le cocher. Pour moi, c'est trop tard. Ouais, je suis pas sûr. Ah, je ne sais pas. Ouais, ça, normalement, il faut le cocher avant de cliquer sur towing, et comme ça, la towing est en direct. On va essayer de revoir ça. Et j'ai trop HD qui... Ouais, qui a l'air un peu déçu pour Boancho et... Est-ce que Verdier... Ouais, je suis le replay également que vous êtes en train de montrer. Ah ouais, non, Verdier qui se rabat sur lui, bah oui, de toute façon. Alors qu'il partait bien pour défendre à l'intérieur, ça allait être un peu rude, hein, mais... C'était un virage assez serré, ça serait sûrement passé. En tout cas, c'est dommage, mais Verdier, dans son action, a de la chance de ne pas avoir de dégâts. En tout cas, de dégâts apparents. Et on a eu deux pilotes qui sont rentrés au stand, peut-être plus, vous me corrigerez. On a Frouin qui est rentré avec licence. Licence qui a mis les rouges. Il était peut-être déjà en rouge d'ailleurs, je ne sais plus. Et Frouin qui est en dur du coup. Alors 11 secondes d'arrêt pour licence et 8 pour Alexandre Frouin. On a Steph qui va pouvoir recoller le peloton. Ça c'est bien pour lui par contre parce qu'il était assez loin. Il fait une course plutôt discrète. Mais il prend de l'expérience bien entendu. Pour moi Frouin n'a pas changé de pneu d'après les pistes stratégie. D'accord. Et pour répondre à Gétro, qu'est-ce que tu demandes comme qu'est-ce que j'ai prévu dans ce genre de situation là, safety car est sorti, tu parles en pénalité pour le pilote. Ouais, je pense que c'est ça. Si c'est ça, mais il y aurait une commission FIA de toute façon qui se tient mardi pour donner des sanctions aux pilotes qui feront des erreurs pendant la course. Voilà. Mais la commission FIA juge par rapport à un barème hein, préétabli, donc il y a plusieurs situations de toute façon. Prévues et les pénalités sont prévues également en fonction des situations, si elles sont plus ou moins graves, s'il y a des conséquences, etc., etc. S'il y a beaucoup de pilotes impliqués, voilà. Alors, Steph qui a rattrapé le peloton, voilà, c'est fait. Et Boancho qui est toujours au stand, alors je ne sais pas le towing combien de temps il y a. Pour moi le towing, le problème c'est que si on ne cloche pas le fast repair avant de cliquer sur towing, on peut pas faire le fast repair. Et donc comme il a pas pu cliquer parce qu'il a été enrouillé directement en towing, à mon avis le fast repair s'il n'était pas coché, il n'a pas pu le cocher. Alors on a une pénalité me semble-t-il. Alors c'est soit une pénalité, soit... Est-ce que Monsieur Frouin, je ne sais pas si c'est
possible pour vous de le vérifier. Est-ce que Frouin et Licence n'ont pas eu des drop to end? Qu'ils viennent de laisser passer Steph. Est-ce qu'ils sont pas rentrés quand les stands étaient fermés? Parce qu'il me semble que la safety car n'était pas encore sortie. J'ai vu la safety car sortir assez tard, en fait. Ah, les pilotes qui rentrent maintenant. Ouais, bah justement. Je pense qu'ils sont rentrés un tour trop tôt. Parce qu'ils ont dû laisser passer Steph, les deux. Donc, à mon avis. Donc, Steph, alors, du coup, au stand, quand même. Peltier au stand, Basile Verdi au stand, ça ne va rien, a priori. Ouais, et François aussi. Stemets et Steph au stand. Les deux Andretti se réarrêtent. L'Aral de Savaria s'arrête aussi. Verdier, on va voir s'il a des dégâts. Je pense qu'il avait des dégâts de toute façon, Verdier. Ouais. Après, dans son malheur, il a pas tapé si fort que ça, mais bon. Alors, ça repart directement. Bouanchot est reparti par contre, donc il a peut-être pu faire. J'ai l'impression que Guillaume Pelletier a pris périté à l'entrée des stands. Oui, ah oui, en effet, il est. Oui, on en a 30 secondes d'arrêt pour Pelletier. Il a dépassé, j'ai l'impression, une voiture pendant qu'il rentrait au stand. Aïe, 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 aïe. Ouais, il repart juste maintenant. 35 secondes pile d'arrêt. Alors, combien ça ferait? Ça ferait 30 secondes de drapeau noir, peut-être? C'est 8 secondes, à peu près, un arrêt. Donc, c'est 27-30 secondes, ouais. Ouais, il a perdu, ouais. 27 secondes, il a perdu. Alors, petite question, du coup, hein, en cas de si on a donc un drop to end, donc on doit partir du feu de grille, est-ce qu'après, si le pilote qu'on a laissé passer au début s'arrête au stand, est-ce qu'on doit le relaisser passer jusqu'au restart, en fait? Normalement, drop to end, oui. On doit laisser repasser jusque la course reparte, quoi. Ouais. Bon, bah on va voir alors, mais en tout cas pour l'instant, Savary est toujours devant. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ils avaient laissé passer. J'ai l'impression que les feux de la safety car sont éteints, alors je sais pas si c'est allumé le tour d'avant. Ouais, pour le restart, le truc facile à savoir en IndyCar, quand le feu rouge de la voiture arrête de clignoter, c'est que ça repart dans ce tour. Bon, bah voilà. Du coup, ça repart dans ce tour. Ça repart dans ce tour, on aurait eu l'occasion de voir cette magnifique pace car. C'est quoi ce coup-ci? C'est Sedan, non? Je ne sais plus. Non, c'est la Je crois que c'est la seconde. Donc Bouanchot toujours dans le même tour. Bon, il est toujours à 30 secondes. Je ne sais pas s'il va arriver à rattraper le temps. Et oui, mais Bouanchot a eu le... Towing. Oui, mais le... Comment ça s'appelle? Allez, réparation. Oui, non, mais il a pu reprendre son tour, c'est ça que je voulais dire. Parce que pour moi, quand il était au stand, il s'était écrit moins 1. Là, il est à 22 secondes d'abord. Il a eu le Lucky Dog. Peut-être. Eh ben oui, c'était le seul à un tour. Eh oui. Parce que Rimbaud est à 3 tours chez tout moi. Tout à fait. Dites-moi chez vous. Ouais, c'est pareil. Ça. Donc on est bon. C'est bon, Bouanchot a quasiment rattrapé là. Eh ben, il a de la chance, Bouanchot, dans son malheur. Il a une deuxième chance dans cette course. Et tant mieux pour lui. Espérons que ça se passe mieux. Se mettre... Alors pourquoi Bouanchot redépasse? Il doit encore reprendre un tour. Ouf. Ça a failli taper. Attention, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il doit reprendre un tour dans le tour de rentrée de la safety car? J'ai pas compris. Ouais, je crois qu'à mon avis... Je comprends pas ce qu'il fait. Mais sauf s'il a essayé de rentrer pas maintenant et qu'ils ont mis un tour de plus, mais on va voir tout de suite, okay. Parce que j'ai pas l'impression... Il devait peut-être croire qu'il avait un tour de retard, je sais pas. Oui, la SC en effet rentre. Ouais, je pense qu'il a... Ouais. Attention, le drapeau vert, c'est parti. C'est reparti, mais il va falloir surveiller cette histoire. De toute façon, on va vite voir s'il y a des drapeaux noirs qui apparaissent ou pas. Oh, alors que derrière ça se bat, il y a déjà Licence qui tente un dépassement sur Front au premier virage. Et c'est passé. Et Verdier qui retourne derrière aussi. Et ça passe aussi, Frouin qui est en train de se faire manger. Et oui, parce que oui, Bouanchot est sixième du coup, alors... Je pense qu'en fait, ça a gardé sa place au moment de lancer la safety car. Alors là, ce serait quand même hallucinant. Attention, derrière aussi, il y a Pelletier qui essaye de remonter avec François qui est devant. Oh, Pelletier qui est parti en tête à queue et qui va repartir malheureusement. À la réaccélération, il s'est fait avoir, il a réaccéléré un petit peu trop vite, Pelletier. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Aïe aïe aïe, c'est dommage. C'est dommage pour Pelletier. Ouais. Il repart, mais avec 14 secondes maintenant de retard sur le leader, 3 secondes sur Steph. Ouais, il a accéléré un peu sur le sable, hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Rien de. Oh, Frouin également. Et eh ben Frouin dehors aussi. Il repart, il recule. Pelletier repassé devant. Ouais, Maxime Cloutier qui est un peu en rage. C'est un petit peu la Ford Empoigne là, au milieu du peloton. On essaye de se positionner. On essaie surtout de faire chauffer les pneus pour ceux qui viennent de changer. Et c'est pas forcément évident comme on vous a expliqué au warm-up. Et toujours pas de pénalité pour Bouanchot, j'ai l'impression que. Non, il y a à priori, il y a signe considère qui va se passer là. Voilà. Pelletier qui va passer Steph sûrement dans le dernier virage. Voilà, la réaccélération s'est passée. Il reprend la 11ème place. Ouais, Pelletier n'a plus que 3 couches, je pense. Ouais. Beaucoup de blocages de pneus hein, là, dans les trois premiers, entre Demey, Tanguy également qui a fortement bloqué ses pneus. Alors on est d'accord que les quatre premiers ne se sont pas arrêtés, plus Cloutier. Est-ce qu'on est bien d'accord? Alors je vais vous dire ça. Les quatre premiers ne sont pas arrêtés et après c'est Cloutier. Et après c'est Cloutier, ouais. Et du coup Cloutier qui se retrouve derrière Licence et. Oui, et Bouanchot du coup qui se sont arrêtés. Donc là Cloutier c'est pas la meilleure opération. En plus il est en pneu rouge. Qui va être à la bataille. Il est surtout en train de se faire attraper par Basile Verdier. Qui lui est en pneu dur. Et qui a quand même du rythme. Hein. C'est proche devant aussi hein, avec Bouanchot et Licence. Oui. Oh, il y va Verdier dans le dernier virage par l'extérieur. Il était. Ah, bah Cloutier rentre au stand. Maxime Cloutier rentre au stand. C'était le tour de trop. Il aurait et dû s'arrêter pour la safety attaque. Car malheureusement. Ouf, Bouanchot, c'est chaud. Il ouais. Bah, y a Besson qui fait un peu bouchon là. Il y a Licence qui attend une erreur devant pour tenter de s'infiltrer. Là, on est dans le premier secteur, hein, très sinueux. Bouanchot doit avoir les pneus neufs, je pense. Oh, est-ce que Steph, il me semble que Steph a l'aileron arrière cassé. Et il roule avec l'arrière cassé, regardez. Aïe, 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 ouais, ça a tapé. Moi, je l'ai vu sortir. Oh, là. Il s'est fait accrocher. Oh, mais Steph qui s'est fait rentrer dedans par Frouin. Je l'ai pas vu. Et oui, et il lui a fait faire un 360. Steph est reparti, mais malheureusement, l'aileron arrière est complètement cassé. Oh. L'aileron arrière n'est pas tombé, mais il est accroché par un petit fil. Et là, malheureusement, le pauvre, il est obligé. Déjà qu'il était un petit peu en difficulté, il va être obligé de rouler encore plus au ralenti. Et on a Maxime Cloutier aussi qui a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a Cloutier en sortant des stands avec les pneus. Ouais, et puis en plus. Et rebelote derrière. Oh là là, ça a tapé quand même. Alors, il s'arrête sur le côté, Cloutier. Oh, je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin pour Cloutier. Il y a eu un towing. Il s'est arrêté sur le bord de la piste. Ouais, je crois que Pelletier, parce que les push-to-pass sont illimitées. Il en a plus qu'un. Ah, il va s'en rendre compte au bout d'un moment que le bouton n'a plus de pression. Et regardez Bouanchot sur Besson au premier virage. Ça va passer. Est-ce que Florent Licence. Ouais, faut qu'il aille maintenant, Licence, hein, parce que Besson est en dur. Hein. Mais Besson ne s'est pas arrêté. Donc après, lui, c'était pas dans son intérêt avec les pneus durs de s'arrêter tout de suite. Mais. Il faut qu'il s'en débarrasse quand même assez rapidement. Ouais, donc Maxime Cloutier est toujours là, il est juste au stand. Alors, est-ce qu'il a fait ça pour les dégâts, justement, le towing? Et Steph qui rentre au stand, c'est bon, il a compris que l'aileron arrière
Et t'es plus fixé. Steph qui rentre au stand. Là, il a pas eu de chance parce que Frouin l'a totalement ignoré dans le virage. Et ça s'est télescopé. Flo qui se rapproche avec l'aspiration, mais qui arrive pas à trouver l'angle d'attaque. Il utilise un push-up, hein. Ouais. Il va falloir en utiliser un deuxième ici. S'il veut pouvoir passer. Ouais, il le fait. Un peu loin. Deuxième. Et ben il a de la vitesse de pointe, Besson. Ça a failli, comme on dit. Oh, il y a une voiture dehors, devant, j'ai pas vu, c'est Steph. Oh là là, en sortant des stands, a heurté je ne sais pas quoi. En tout cas, la roue est morte. Et là, il est coincé sur le vibreur, je crois, maintenant. Oh là 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 là. Oh, c'est catastrophique, il est arrêté au milieu du... Il est coincé. Il est coincé sur le vibreur. Il arrive plus à repartir. Oh là là, c'est terrible, il est coincé. Il est coincé, et là, il est à un endroit très dangereux. Alors, comment ça va se goupiller? Flo qui plonge. Flo qui plonge, bloque. Et qui bloque en même temps. Et Steph, regardez Steph qui essaye, qui est en train de mettre de la terre de partout. Il est complètement bloqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez insolite ce qui se passe. Ah, il essaie d'y aller, hein. Ah, et non. Et il est là, non. Il est rentré au stand. Il est rentré au stand. Oui, devant, ça se bataille sévère pour la première place. Oh oui, bon essai qui revient. Les deux qui ont mis un push-to-pass et Matt qui passe à l'intérieur. Il va freiner très très tard. Et attention, il va essayer de croiser Christophe de même. Il a été un peu pris de court. Hein. Parce que Monessier est passé juste devant lui, ce qui l'a empêché de bien accélérer. Et oui, et finalement il est obligé de céder là sur cette attaque. Et licence derrière qui est toujours bloquée, hein, également derrière Besson. Et en effet, nous venons de perdre Maxime Cloutier. C'est l'abandon pour Cloutier. On voit qu'il y a un écart hein, ensuite hein, derrière Domé, puisque Tanguy est à 5 secondes, même 6 secondes. Il y a Bouranchot qui met la pression derrière. Oh, licence, attention, licence qui est bien placée là. Qui est bien placée, licence. On va arriver en plus sur un virage à droite. Il freine un petit peu plus tard et ça devrait passer, bien que Besson tente, oui, de le croiser. Bon, Besson était sage, sinon... Et il rentre dans le top 5. Et on rappelle que Julien Besson, avec ses pneus durs, ne sait toujours pas... Oh, Christophe a dû faire une erreur, parce que Tanguy, il est revenu très fort. Non. Ah, il est toujours à 6 secondes chez moi. Ah non, non, c'est entre... Non, non, c'est Bouchot qui est revenu sur... Oh, Tanguy. Licence, licence, licence dehors. Il y a un bout qui est parti. Licence dehors, il y a de la carrosserie, il y a du carbone qui est parti, je ne sais pas ce que c'est. Et licence qui essaye de reculer, parce qu'il y a des pilotes qui arrivent, attention. Oh là là, il casse son aileron. Oh. Il a rebondi sur le boudin, du coup Besson oh il a... Oh là 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 là. Ouais, et en reculant, licence a cassé son aileron à peu près 10 km/h, même pas. En reculant dans le mur. Ouais, puis en plus il s'est fait tamponner, licence, par Besson. En partant en tête à queue. Oh, c'est une catastrophe. Et Besson qui s'arrête au stand. Bon bah au moins... Et Tanguy qui se fait passer par Bouranchot. C'est un petit peu... ouais. C'est un petit peu la foire fouille, là. Alors qu'il y a François qui remonte 8ème. Et derrière Rimbaud, qui est toujours à 4 tours du leader. Ah ouais, non mais là licence c'est terrible hein.
qu'il aurait pu repartir avec un minimum de dégâts, mais là, bon. Malheureusement. Ah, et l'aileron s'est détaché. Bah, au final, il rentre au stand. Le fast repair est utilisé, je vous le confirme. Il remet le plein et il repart tout de suite, voilà. Donc ça y est, Guillaume Pelletier n'a plus de push to pass. Eh ben, il va falloir faire avec jusqu'à la fin. Il est derrière le pilote de la Rahal, Savaria. Et licence qui ressort derrière Frouin. Eh ben, il va retrouver son copain. Et Christophe Demey qui garde quand même un gap intéressant hein, sur Monestier. Il se fait pas distancer. Hein. Est-ce qu'ils ont encore des push to pass devant? 7 pour Monestier, 6 pour Demey. D'accord. Et 7 pour Blanchot derrière. Et on est à la mi-course, 15e tour, mesdames et messieurs. Monestier en tête devant Christophe Demey juste derrière. Blanchot à 6 secondes. Tanguy 4e. Verdier 5, Savaria 6. Pelletier 7 qui est juste derrière Savaria. Et qui, je pense, va pas tarder à l'attaquer. François Stemmet 8e. Julien Besson 9, Rouen 10. Florent Licence 11e. Et Tanguy vient de se faire dépasser et rentre au stand surtout. Voilà, Blanchot, ouais, au stand. Stand. Oh, Savaria oui, Savaria Pelletier. Et Savaria qui se rabat sur derrière Pelletier et qui n'oppose aucune résistance avec ses pneus durs. Donc licence 11e, Steph 12e à deux tours. Cloutier abandon et Rimbaud qui est à 4 tours qui va passer Cloutier. Normalement, les leaders devraient pas trop tarder à rentrer au stand. Et parce qu'ils ne sont plus que deux, c'est ça, hein. Il n'y a plus que les deux premiers hein, qui sont pas arrêtés. Et les deux sont en pneus tendres, hein, donc... Ouais, il n'y a plus que, tout à fait. Donc ça veut dire que Besson, avec ses pneus durs, s'est arrêté avant. Alors que devant, ils se battent depuis le début, hein, donc... Je pense qu'ils savent que de toute façon, derrière, il y a un écart assez conséquent, donc ils attendent que l'un des deux rentre, hein, je pense. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que Besson s'arrête au tour 14 avec ses pneus durs, et va en avoir 16 à faire avec les tendres. Avec les tendres, oui, ça, ce qui n'est pas facile non plus. Et les deux rentrent en même temps. Ouh, po, il a failli le tamponner. Deux mecs qui a failli... Alors par contre, là, la vitesse, c'est combien? C'est 72, je crois. Oui. 72 de speed limit, je sais pas s'il y en a pas un des deux qui est arrivé un peu vite. Ben, aucun des deux n'a de pénalité. Bon. Eh ben chapeau, hein, parce que franchement, il s'arrête, oh là là, il s'arrête l'un derrière l'autre. Oh, ça va être beau. Ah, Savaria qui s'arrête pas. Donc il est passé. Ouais, deux mecs qui a moins bien accéléré. Oh, et deux mecs se met dedans. Oh là là, il est en travers dans l'allée des stands et il y a la suspension qui est tordue et également un bout d'aileron, me semble-t-il. Hein. Ouais, l'aileron est cassé. Oh là 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 là, oh l'erreur! Oh quelle erreur! Les pneus froids, une grosse accélération pour essayer de pas perdre. Le gap avec le pilote devant, il ne freine plus. Oh là, boum! Et il termine dans les petits pneus bleus. Et il va falloir, je pense, essayer de rentrer au stand, mais ça va être très compliqué parce que là, il est en train de faire une manœuvre dans l'herbe. Sans aileron, bon, maintenant qu'il a plus d'aileron, le problème, je pense, c'est la suspension. Hein. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il a pas tourné. Aïe, 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 aïe. Oh, quelle erreur! Il jouait clairement le podium et la victoire. Et surtout la victoire. Et là, c'est une catastrophe pour Christophe Demey, qui était quand même l'un des favoris aujourd'hui. On a vu que c'était l'un des pilotes qui avait le plus de rythme. Et là, malheureusement, ah ouais, là, ça bloque tout le long. Il va falloir rentrer au stand, mais il est malheureusement pour lui. Au début du tour, hein. Donc, il va falloir faire tout le circuit comme ça. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Il vaut peut-être mieux sortir des stands prudemment quand c'est comme ça. Ah, il était tellement serré l'un à l'autre qu'il a voulu faire le moins de temps possible. Eh oui, ben oui, c'est ça, c'est ça. Et là, malheureusement, il y a Frouin qui passe. Voilà, il est maintenant. Dixième, on va le suivre jusqu'à sa rentrée au stand.
En tout cas, il avait bien optimisé son entrée au stand. Hein. C'était pas passé loin de toucher Monestier, mais il a pas pris de pénalité, comme nous a dit Maxime. Il est vraiment rentré au stand, je pense, avec la vitesse juste. Alors, il arrive dans la ligne droite arrière, on va voir, ça devrait aller quand même. Attention quand même ici, ouais, parce que là, il est quand même à plus de 280. Donc, il va falloir laisser la voiture couler. Il n'y a plus personne derrière lui, donc il a le temps. Faut tourner, faut tourner, faut tourner, faut tourner. Et faut surtout freiner. Et ça rentre. Ça rentre. Eh ben oui, de toute façon, ça va être le fast repair direct. Hein. Quoi qu'il arrive. Il lui reste encore une chance, c'est si le pace car est déployé, mais il ne reste que 12 tours, donc il va falloir avoir un peu de chance pour lui. Mais là, malheureusement, sa course est ruinée. Il va finir au mieux 11e, puisque derrière, Steph est à 2 tours, et Rimbaud à 4 tours. Voilà, il repart. Et là, c'est très compliqué pour lui. Il a presque pris un tour. La question est de savoir si Savaria et Vernier peuvent finir la course sans se réarrêter. Alors c'est pareil, il y a quelque chose qu'on n'a pas, c'est l'essence. C'est ça. Donc ça c'est toujours pareil, parce que arrêter au tour 7, faire 23 tours... Ouais, ça me paraît possible. Mais c'est vrai. Peut-être pas. Oui, parce que Pelletier va s'arrêter avec ses rouges. Pelletier, lui, est obligé, il était en rouge, donc il faut que, quoi qu'il arrive, qu'il change de gomme. Par contre, François est parti en blanc. Et là, il est en rouge, il s'est arrêté pendant la SC. Donc François, il a fait son changement de gomme. Mais est-ce qu'il va réussir à aller en rouge jusqu'au bout sans être à l'agonie? Ça, c'est la question. La conso est entre 4 litres 6 et 4 litres 8 autour. Et il se arrête au tour 7, donc 23 fois 4 litres et demi, ça fait 103, ouais, bah alors sachant qu'ils ont combien, 70 litres? Oui, 75. Ouais. Donc il va falloir s'arrêter. Non, c'est pas possible. C'est vrai. Il y a Monestier qui revient sur François. Ouais, je suis dessus. Et les deux leaders qui sont en train de rattraper... Qui est devant? C'est Steph ou c'est... Oui, c'est Steph qui est devant. Le Monestier, c'est pas mal. Je vous passe. François qui ne devrait pas insister. C'est passé pour Monestier. Qui lui va, quoi qu'il arrive, aller au bout avec un arrêt au 16e tour et des pneus durs. Alors, on va voir comment les leaders vont se débrouiller avec Steph. On va voir si le retardataire va leur faciliter le passage, ce qu'il n'est pas obligé. Mais il les laisse tranquillement passer. Alors, c'est un peu plus compliqué pour Pelletier parce qu'il est dans le virage. Il perd un peu de temps, Pelletier. Mais c'est passé quand même. Là, il n'y a plus trop de bagarre. Oui, il commence à avoir un peu d'espace. Il y a François qui essaie de s'accrocher à Monestier, mais sinon, il y a pas mal d'écart. Hein. Et il nous reste 10 tours. Pour tout le monde, ouais. Et une 41-3 hein, pour Demey, qui est clairement le plus rapide en piste. Mais là, pour rentrer dans le top 10, il a 30 secondes quasiment à combler avec licence. Ça va quand même être compliqué.
Surtout qu'au bout d'un moment, ses pneus, il s'est passé quelque chose pour Pelletier. Ah non, il rentre au stand, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai vu son avance fondre comme neige au soleil et au final, c'est une entrée au puits. Et pour mettre les pneus durs. Ouais, donc les autres devraient pas tarder aussi à s'arrêter. Comme prévu, ouais. Attention à la réaccélération qui est très piégeuse, on l'a vu tout à l'heure avec Demey. On ressort Pelletier, il est 7ème. Il ressort à ouais, 6 secondes de Tanguy et Julien va pas trop l'attaquer, je pense. Ils sont pas dans le même rythme depuis le début de la course. Il y a une seconde pleine autour hein, d'écart entre les deux. Donc voilà, il a déjà repris 5 dixièmes à Julien, il devrait pas être trop embêté. Après, peut-être que Verdi et Savaria, bon, bah, tout dépend de toute façon, tout dépend ce qui reste dans le carburant, ce qui reste dans le réservoir. Mais vu qu'ils sont en pneus durs, ils vont essayer de s'arrêter bien le plus tard possible. Ah, hein. Oh, c'est dommage de s'arrêter le plus tard possible. Faut quand même profiter quand même des pneus rouges. Oui, mais. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, là, Steph, ils sont sur un, oui, hein, c'est vrai qu'ils sont sur un rythme. Alors Verdi est un peu mieux, mais oui, c'est vrai que Savaria a quand même tourne quand même deux secondes moins que Messier. Ah ben c'est bon. Votre prédiction était juste, Monsieur Prolix. Savaria au stand. Ouais, ils ont 8 tours. Et où va ressortir Savaria 8ème? Oh, plus que ça. Ouais, si, 8ème, ouais. Ouais, parce qu'après, il y a un écart avec Frouin. Ah, il va ressortir. Ouais. Ah, pas si loin que ça du 8ème. Il peut tenter d'aller titiller Besson. Ouais. Mais Frouin, oh, il va quand même avoir 3-4 secondes. Hein. Ouais. Oui, non, mais je parle sur la durée. Il peut tenter d'aller le rattraper. Après, l'avantage, c'est qu'il part avec des pneus de temps de frais et qu'il a pas beaucoup d'essence. Voilà, c'est ça. Bah techniquement les deux ont autant d'essence. Ah, tout dépend. Bah non. Parce que s'il y a eu... Bah ils aient fait le plein pour rien, mais... Oui, voilà, c'est ça. C'est que sous SC, il y en a peut-être qui sont dit... Ils ont le même nombre de tours à finir, donc ils ont le même nombre d'essence. Oui, normalement. S'ils ont fait... Bah, il peut y avoir des surprises parfois dans le réservoir. Flander qui s'est couaché. Malheureusement, elle là, il arrive pas. Ouf. Il repart difficilement. Faut qu'il fasse attention parce que il y a les pilotes qui arrivent derrière lui. Ouh là 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 là, la voiture ne freine plus. Ouf, il y a ça. Qui c'est qui arrive derrière Besson? Attention. Et Philander qui part dans l'herbe, attention à son retour en piste, Savaria qui s'est écarté, non c'est pas Savaria, c'est... si Savaria pardon. François au stand. François finalement au stand. Basile qui en ressort. Et Basile qui va ressortir derrière Pelletier. Ah, ouais, Basile qui a un avantage sur Savaria, ouais il y a Besson entre les deux. Il y a Besson entre les deux. François qui repart maintenant, il va repartir derrière Frouin. Normalement, Guillaume Pelletier, vu son rythme, devrait largement aller pouvoir battre le point au podium. Ouais. Allez, Christophe Demey qui a repris hein, en 3 tours, il a repris que 3 secondes hein, sur licence, donc il commence à en demander. Il en demande peut-être un peu trop à ses pneus, en même temps il n'a pas le choix. Pour l'instant, le meilleur tour autour, le meilleur chrono autour, c'est Man Monestier 1.40.63. Mmh.
Ouais, domaine 40 860. JMB100, après, sorti de piste. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dû partir large. Sorti large. Et oui, au niveau des off-track, on est tranquille. Ah oui, c'est vrai. On pas vérifié. Steph qui en a 10, sinon... Ah, j'ai 16 pour Steph. Combien? J'ai 16. Ah bon? Incident. Dans le e-racing? Ouais. Ah, alors, mon logiciel déconne. Ok. J'ai 16 incidents, mais ce qui veut dire que s'il a 16, il a une pénalité. Bah oui, il a fait un drive through. D'accord. Alors, moi, oui, sinon après les autres pilotes... Alors moi, ça compte peut-être que les off-track et pas les par contact. Ah! Parce qu'il s'appelle off-track aussi. Peut-être ça. Ou les lost control, je ne dois pas prendre les lost control. Oui, et puis sachant qu'il s'est retrouvé coincé sur le vibreur. Pelletier a 2 secondes de Tanguy. Ça va rien, qui n'arrive pas à rattraper Besson. Oh, Besson qui est sorti! Ouh, Besson qui a fait un tout droit. Ça va permettre à Savaria de revenir dans la seconde. Énorme erreur, hein. Le pneu a bloqué et il n'a pas eu d'autre choix que de filer dans l'herbe. Et là, il faut qu'il nettoie ses pneus et Savaria est revenu à 9 dixièmes. Hein. Attention. Savaria 8 dixième là, a priori. Eh mais vu que tout à l'heure il arrivait pas, alors à moins qu'il ait un petit peu perdu de concentration avec cette sortie de route, mais Savaria n'arrivait pas à rattraper tant que ça Besson. Donc on va voir si Besson arrive à reprendre de l'avance. Et pareil pour Pelletier, hein, il roule dans les temps de Tanguy, mais il n'arrive pas à revenir. Il plafonne à 2 secondes. Au froid derrière. Ah, c'est les stands. C'est les stands. Pour les enfouins. Et bah, qui risque de perdre le top 10. Ah, oui, du coup, Christophe Demey a passé licence, qui s'est arrêté au stand. Donc, Christophe Demey est revenu dans le top 10. Et devrait rentrer dans le top 9. Pas sûr. Point ressort maintenant. Ouais, c'est un Savaria qui est au contact de Besson. Ouais, et Pelletier qui est bien revenu sur Tanguy, du coup. Alors, à voir Savaria, le pilote de la Rahal. Bon, il prend des belles trajectoires, Savaria. Alors, on l'a vu, il a réussi à bien le coller à la sortie. Pour tenter de préparer la grande ligne droite qui arrive. Ouh, Savaria, ouf, oh, cette trajectoire. Il la repère un peu, là. Et il réaccélère bien mieux que Besson, regardez! Avec le push ou pass en plus. Est-ce que Besson va tenter de garder la ligne intérieure? Il est milieu de piste, Savaria qui tente sur la gauche. Il prend les limites maximales de la piste, attention au boss bien entendu. Par contre, je ne sais pas si Besson lui sait qu'il a du push ou pass parce qu'il en a toujours à 10. Ah! Eh ben le bouton est peut-être coincé. Donc c'est passé, on va aller voir pour Pelletier maintenant, où est-ce qu'il en est. Ah, 8 dixièmes, il a quand même repris la seconde, je pense que Tanguy a fait une erreur. Attention parce que Besson s'accroche.
Eh, regardez, hein, une 40. Ouais, c'est sur le dernier tour qu'il a fait une erreur. Une 43 contre une 42-8, une 43-9. On va voir à ce tour-là, mais pour moi, il tient le rythme devant Tanguy. Hein. Il roule dans les mêmes temps. Donc, hors erreur, pour l'instant, Pelletier n'arrive pas à donner ce petit coup de... Alors, ça commence à se décaler pour l'aspiration. On voit ici dans la ligne droite. Donc, Pelletier a plus de push to pass. Et Tanguy ? Et Tanguy en a 8. Et Tanguy en a 8. Donc, ouais, Tanguy attend le bon moment pour les utiliser. Il peut même commencer à les utiliser maintenant, s'il veut. Ouais, bah, j'ai 2 par tour. Ouais, regardez, une 42-8, une 42-9. Il y a un dixième et c'est à l'avantage de Tanguy. Donc pour l'instant, Pelletier lui manque ce petit quelque chose, bien qu'ici il revienne dans ce premier secteur. Il faut qu'il tente d'attaquer un petit peu plus, mais au risque d'user un peu plus ses pneus. Alors il a des pneus plus frais, mais il est en pneus blancs. Alors que Tanguy s'est arrêté au 15e tour, mais il est en pneus rouges. Donc pneus rouges qui commence peut-être à être un peu fatigué. Ouais, normal, 15 tours, quasiment. Ou alors il y a une deuxième couche, quoi, comme les pneus intermédiaires en Formule 1. 1-0-4, il est bien placé là. Alors est-ce qu'il va réussir à le tenir jusqu'à la ligne droite? Il y a quand même encore tout un secteur à passer. Dans des virages assez sinueux. Et pour l'instant, ouais. Il commence à glisser un peu Tanguy à la réaccélération. Ouais, mais pour moi, avec 8 push tout passe, normalement jamais il passe. C'est bien ce qu'on va essayer de déterminer. Alors que il est quand même bien proche. Bon, 6 dixièmes, alors à voir. Bon, quelle réaccélération! Quelle réaccélération! Et Tanguy qui met un peu tout passe. Ouais, alors on va voir. Alors il garde l'intérieur. Est-ce qu'il va tenter de lui faire une double intérieure? Regardez! Eh non! Il reste ici. Bon, après, c'est un peu le suicide. Hein, s'il tentait à l'intérieur là. Ah, il réaccélère bien, mais il a été un peu plus bloqué. Oh, il rentre au stand. Oh. Et puis l'essence. C'est l'essence. Aïe, 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 aïe. Et voyez cette essence. Qu'a-t-il fait? Pourquoi? 28e tour. Bah ouais, franchement, à part l'essence, je vois pas. Parce qu'il a pas de pénalité, Maxime peut nous confirmer, mais... Il s'était arrêté, il a fait 15 tours, puis 12 tours. Ouais, il a fait. Ouais, alors il remet les pneus hard. Il s'était arrêté tour 15, il a dû se tromper. Ah, ou alors il pensait qu'il avait mis les mêmes pneus. Il pensait qu'il avait mis deux fois les temps. Il l'avait mis deux fois les mêmes pneus. Ah, et ben voilà. Ah, et ben on n'avait pas l'information, enfin on l'avait oublié. Et ben merci de la précision, monsieur René. Et par contre, en parlant des pneus, Steph Filarder Pirelli n'a pas changé de composé. Aïe aïe aïe. Il a fait toute la course en tendre. Donc s'il s'arrête pas au stand, eh ben, il sera disqualifié. Ouais, c'est une disqualification. Bah, c'est bien dommage parce qu'il a eu le courage quand même d'aller au bout malgré tout ce qui lui est arrivé. Et il a oublié de changer de pneu. Enfin, de composé. Voilà, les écarts sont bien établis hein, maintenant. Deux mecs qui n'arrivent pas à remonter sur Frouin pour tenter la 9ème place. Ah, il reste deux tours. Et c'est stabilisé. Ouais, de toute façon, Bonesti a 8 secondes d'avance sur Bouanchot. À moins d'une erreur. Eh ben, j'ai bien fait d'en parler d'une erreur, Tanguy. À la faute. Oh, il a accéléré sur le vibreur, il a de la chance parce qu'il a freiné tout de suite, mais ça a un peu bousillé les pneus à mon avis. Ouais, ça varia, belle cinquième position. Voilà, il a Steph fait une aussi course qui sort solide. Ah oui, pardon, j'ai pas... Ouais, il y avait Steph qui était sorti de piste et qui est ressorti juste devant Bouanchot. D'accord. Alors, en espérant qu'il n'y a pas eu de... Ah oui, en effet, oui, je viens de voir. Verdier également, hein, belle course quatrième. Après, il y a l'incident. Oui. Enfin, c'est même pas l'incident, c'est l'accident qui est en suspension.
Mais bon, Alexandre Manchot qui au final quand même est deuxième. C'est vrai qu'au bon, dans son malheur, il a eu de la chance, il a eu le Lucky Dog, il a pu récupérer son tour, sinon c'était niette. Et il a eu de la chance que la safety car sorte à ce moment-là, et après il a eu un bon rythme de course, hein, donc... Oh, Pirelli. Et salut encore, JB. Si. Oh, bonsoir, monsieur JB. Ouf. Et monsieur JB qui est dans le paddock, mais bon, qui est puni. Drapeau blanc, dernier et... tour pour Matt Monestier. Ouais. Qui a repris encore une seconde. Très bon rythme de Monestier. Il y a quand même de la bataille avec Demey pendant très longtemps, hein. Personne ne se détachait vraiment. Ah, c'est dommage, cette erreur en sortie de stand. Ah, des stands, ouais. Ah ouais, non, vraiment terrible. Vraiment terrible, cette erreur. Ah, c'est tout qu'il est dixième maintenant. Il perd beaucoup de points. Ah ouais. Voilà, il n'y a plus d'autres bagarres, on va rester sur Monestier pour la fin de son tour. Ouais, qui va arriver dans le dernier secteur. Une victoire, et en plus, malgré l'absence de son équipier Kylian, on va avoir une victoire McLaren. Ça va quand même marquer de gros points. Au classement. Allez, au dernier virage. Attention au boss. Oh, il est tranquille. Il va douce. Il est tranquille. Ouais, ouais, il le prend. Ouais. Et la victoire pour Man Monestier. Et la victoire de Monestier, mais on a raté un énorme carton, froid, boum dans le mur, qui a cassé sa suspension. Et Besson qui a... Qu'est-ce qu'il a fait, Besson? Oh, Besson qui est en panne. Eh oui, non. Attendez. Ouais, il ralentit. Besson qui a fini en panne d'essence, hein. Ah ouais, Besson qui n'a pas pu terminer. Oh là 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 là. Ouais, il s'est garé dans l'échappatoire, Besson. Panne d'essence. Panne d'essence et crash de froid à la fin. Ce qui fait que... Demey gagne une place, il est 8ème. Et Froin avec son crash est 10ème, Besson 11. François termine 6ème. Alors à la fin, là, ouais, et... Froin, c'est quoi? C'est le vibreur qui l'a emmené? Là, malheureusement... Froin, le premier coup... Oh, ouais, c'est le crash, pas l'incident. Le ouais, premier. La réaccélération là, paf, il tape et casse en haut. Il a réussi à repartir avec la roue. Alors, il a réussi à faire un tour apparemment. Mais... La roue branlante. Ah ouais, ah non, mais là, ça, là c'est plus que ça tombe pas. Là, c'est... il laisse la piste le guider. Là, parce que... enfin, en tout cas, fin de course mouvementée. Tout à fait. Et il est pas encore. Il est pas encore arrivé, hein. Attendez, parce que il lui reste la ligne droite. Alors, on va voir le dernier virage. Ah là, c'est folklore, hein. Ah, c'est magnifique. De bien belles images, de bien belles images. Ah, c'est la course, mais c'est dommage, parce qu'encore une fois. Oui, hein, vous l'aviez dit, hein, il avait un bon rythme, mais il faut que ça finisse, quoi. Ah, oh, c'est dommage. Non, mais c'est vraiment dommage pour Froin, hein, parce que à chaque fois, il fait des débuts de course et surtout des départs incroyables. Hein. C'est un sprinter. Hein. Ouais, t'as bon sprinter. Mais un moins bon finisseur, c'est ça que vous vouliez dire. Bah, a priori. Alors, c'est bon, ça va passer. Ouais, mais je pense qu'il accélère, il accélère. Il va pas prendre une pénalité pour un pit récupérer un ILED. Non. Non. Ah, dans le dernier tour. Tant qu'il a pas. Tant qu'il y a moins de 3 tours entre le moment où il a le Reaper Nigid et le moment où il y a l'arrivée, il a pas de pénalité. Ça marche. Très bien. En tout cas, ça nous a fait une belle course. Alors, si vous voulez aller chercher des gens, allez chercher des gens. Faut aller chercher des gens. Moi, je vais afficher le résultat. Donc, on a Matt Monestier qui gagne cette course devant
Alexandre Bouanchot pour 10 secondes. Je vais vérifier, mais je crois bien, oui, c'est qu'il y a bien Matt Monesti aussi qui fait le meilleur temps autour. Et est-ce qu'il avait la pole? Possiblement. Non. Non, c'était c'est Christophe qui était en pole. Deuxième, donc Alexandre Bouanchot. Troisième, Guillaume Pelletier, qui est bien remonté, Alexandre, par rapport au gros crash qu'il a eu avec Basile. Basile Verdier qui finit avec une belle place de quatrième, mais bon, il y aura sûrement petite sanction là-dessus. Christophe Savary à cinquième, Stemet sixième. Et de toute façon, vous avez la suite à l'écran. Eh bien, le vainqueur veut passer. Eh bien, écoutez, récupérer le vainqueur. J'espère que vous avez plein de questions à lui poser. Alors, hop. Alors, on va déjà lui mettre le rôle, ça n'est pour pas parler. Hop, voilà. Merci Discord. Voilà, hop. Et bonsoir. Bonsoir. Et bravo, voilà. Merci, j'ai bien aidé. Je sais pas ce qui est arrivé à Christophe, mais j'ai pas regardé encore le résultat. Accélération mais... trop forte en sortie des stands et il a tapé le mur direct. Ah mince, dommage. La sortie dommage, au petit meter, ouais, au petit meter, dès qu'il a enlevé, il est parti. Ok. Mais ouais, bah, il est rentré beaucoup plus fort que toi dans les stands et vous étiez oui, vraiment. Oui, j'ai... Bah, je suis rentré un peu en mode papy parce que j'avais pas trop train l'entrée des stands et bon, je voulais pas trop croire. Lui, il est pas rentré en mode papy, ouais. Et du coup, j'ai eu un peu peur qu'il me refasse l'arrière, mais bon, ça va, il a bien contrôlé son truc. Oui, et puis il est rentré à la bonne vitesse. Donc... Ouais. Non, c'est vrai, très belle bataille de vous deux pendant une grosse partie de la course. Vous aviez un bon rythme tous les deux. Ouais, c'est bien amusé. C'est cool. Heureusement qu'il n'était pas là sur la deuxième partie du relais parce qu'avec les pneus durs là j'étais vraiment pas bien du tout. Je n'avais pas du tout testé avant, j'étais un peu en PLS donc pas sûr. Je pense qu'il aurait eu un meilleur rythme que moi sur ces pneus là. Enfin, j'imagine. Donc, ouais, donc un peu rassuré aussi d'avoir été. Ouais, il a fait deux tours rapide à la fin. Ouais, mais bon après. Bon, en tout cas après ça a été un peu un long fleuve tranquille devant. Ouais, le deuxième relais était assez tranquille. Ouais. Je me suis fait quelques frayeurs avec des retardataires qui n'étaient pas forcément facilement prévisibles. Mais bon, ça s'est bien passé. Et ils ont mis du leurre pour me laisser passer, c'était cool. Mais c'est vrai que certains étaient un peu en délicatesse, on va dire. Oui, et puis dans le premier secteur, c'est pas là où c'est le plus facile. Non plus. De passer, donc ouais, il y en a qui. Mais bon, ils ont fait des efforts, c'était cool. Mais sinon, ouais, gros week-end avec les 24 heures pour Anna et maintenant cette course. Qui se sont bien passés pour toi, j'espère. Bof, on était en GT3 et dans la dernière heure, on a cassé la voiture. Donc, on était pas loin du podium, on était 4e, 5e. Donc ça s'est mieux passé ce soir, quoi. C'est ça, qui... ça s'est mieux passé ce soir, mais c'était quand même très fun ces 24 heures pour Anna et puis c'était pour la bonne cause. Donc c'était, oui, c'était cool. C'est sûr. Et voilà. Bien, tu remontes, alors j'ai pas vérifié, mais qu'est-ce que ça le problème donne... c'est qu'Alexandre, malgré sa petite boulette, oui. Alors j'ai pas vu ça non plus, mais j'ai vu que ça avait déclenché un drapeau jaune, donc je pense que c'était assez violent. Ça a été assez violent, oui. Il s'en sort bien. Il a été éjecté en dehors de la piste, en gros. Ah oui, d'accord. Oui, puis le jeu l'a tout de suite remis en towing. Enfin, ça a vraiment été. Ouais. Ah, il faut que je regarde ça. Ça a été très violent. De toute façon, si le jeu le remettait pas au stand, c'était tonneau. Pas mal de tonneaux, je pense. Mais oui, bah, du coup, tu passes deuxième, puisque tu passes François qui a fini sixième donc au classement. Et puis la seule McLaren présente aujourd'hui. J'avais mes coéquipiers sur le flanc. Oui, bah, ça permet quand même à McLaren de rester devant, puisque chez Rahal, on plafonne un peu, puisque Bastien est suspendu pour cette course, et Savaria finit cinquième. Donc, pour l'équipe et pour toi, c'est tout bénef sur cette course. Ouais, ben on profite un petit peu du road, parce que sur l'oval, c'est pas tout à fait la même limonade, donc bon. Ah, il faut prendre les points. C'était un peu malchanceux ces dernières courses. Donc, tu peux demander à Bouanchot, il a mis au moment, on va donc gagner une, voilà. Il y a deux courses, j'ai failli en gagner une. Ouais, non, mais je sais. Dans le dernier tour. Je sais. Mais ouais, c'était... C'est formateur, on va dire, le van. Sympa.
Bon, là, ça va être la pause de... là, ça va être la pause de Noël. Ouais. Ensuite, c'est Watkins et Barber. Est-ce que c'est deux circuits que tu connais que... Bah, Watkins, c'est un de mes circuits préférés sur e-racing, je crois. Bon, bah, jusque-là. Quel homme debout. Et Barber, oui. Je l'aime bien aussi, mais je ne l'ai pas beaucoup roulé, ni en GT, ni en monoplace. Mais... Bon, c'est je bosse aussi. Un peu, quoi. Ouais, ouais, il est très technique, donc du coup il faudra que je travaille un petit peu, mais là je sors d'un tunnel avec le CFE, les 24 heures pour Anna, la Coupe de France et tout, j'en peux plus. Donc là c'est la pause, là, stop. Ce sera peut-être un petit peu moins chargé début de l'année prochaine, donc voilà. Ok, ben merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bien. Bonne soirée. Ben, merci. Et bonne soirée aussi. Et de bonnes fêtes. Ah ben à vous aussi. Merci. Alors, nous avons un deuxième pilote disponible pour nous raconter ses déboires. Et c'est un pilote qui a eu un gros accident pendant la course. Il s'agit de Monsieur Basile Verdi. Et bonsoir. Bonsoir. Salut. C'est magnifique, il peut déjà parler. Bon. Magnifique. Bon. Ah oui, bon. Monsieur Basile Verdi. Déjà, comment s'est passée la course? Raconte-nous. Alors, comment dire? Au départ, j'ai fait le gros assassin, ça a marché. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis passé de la cinquième à quasiment la au départ, sur le temps d'action. Le départ était beau. Le départ était beau, mais je savais pertinemment que j'allais me faire fumer, donc voilà, j'ai lutté pour ma vie. Ensuite, après je me suis fait semer. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a rattrapé derrière, je crois que c'est Alexandre Bonchaud, je suis pas sûr de qui c'était. Et comment dire que, comme vous avez vu à Spa, je fais pas cadeau des places. Et là, j'en ai pas fait cadeau du tout, un peu trop. En fait, je me suis rabattu au freinage et je pense qu'il a freiné un peu plus tard que moi et ça a touché. Oui, ça a très mal fini. Oui, bah après, moi j'ai eu de la chance parce que je suis resté avec la safety car, j'ai pas perdu énormément. Parce que vous l'avez déclenché pile au bon moment, à croire que c'est fait exprès. Ouais, merci et du coup, j'ai pu rentrer au stand et tout sans trop de déboires au final. Oui, parce que c'est vrai qu'après l'accident, oui, on n'avait pas l'impression que t'aies eu de gros dégâts. En fait, j'ai juste le roues arrière qui pendait, je crois. Ah oui, personnellement, j'ai même pas... Il me semble que vu les bruits que ça se faisait... Attention. Et après, c'était juste de la gestion de mes pneus pour pas trop dégrader, pour garder les mêmes pneus jusqu'à la fin et faire un arrêt le plus réussi possible que j'ai raté. Voilà. Et donc, je finis quatrième. C'est ça. Mon meilleur résultat d'ailleurs, je crois, en F1 RS, il me semble. Oui, puisque 26 points à Las Vegas, mais ça doit faire une 7ème, 8ème place, à mon avis. Ouais, c'était 8ème, je pense que c'est fait. Ça. Ouais, je pense c'est ma meilleure place, oui. On est d'accord. De toute façon, je trouve que je suis à ma place, parce qu'après, tout ce qu'il y a devant moi, c'est le niveau au-dessus. Donc... Ah ben bah, t'as quand même fini à 3 secondes de Pelletier, hein, ce qui est pas... Oui, c'est pas déconnant. Voilà, ce qui est pas énorme. Hein. Voilà. Après derrière, il y avait de l'écart derrière Savaria. Ouais. Avec, derrière de vraiment fort, il y avait que Demey qui a fait une grosse erreur. Mais... Et c'était bien Alexandre Bonchaud que j'ai... Que t'as tué, oui. Mais ce n'est pas mal sorti du coup finalement, P2. Bah qui donc son malheur a eu le... Je sais pas pourquoi, non il a même pas eu le Lucky Dog d'ailleurs, après ce qu'il dit. Sur le Discord, j'étais persuadé qu'il était à un tour. Ah, si, il l'a eu parce qu'à un moment j'ai failli l'écraser. Ouais, pour moi il était à un tour. Bref, il a eu le Lucky Dog et il a été remplacé au milieu du paquet, on sait pas trop pourquoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire aussi. Et puis aussi, j'ai eu la chance de comment il s'appelle Tanguy Endemann qui avait pas changé ses pneus qui m'a permis d'avoir la P4, oui. Sinon j'étais P5. Mmh. Ouais, exact, qui s'est arrêté au 28ème. Exact. Bon, en tout cas, course très fun. Merci pour cette participation et bravo pour ta course malgré l'incident. Oui, bah après c'est la course. Hein. C'est la course, c'est vrai. Faut le prendre avec philosophie. Et puis on n'est pas dans la réalité, ça ne coûte pas de l'argent. Non, et puis comme tu dis, il finit quand même deuxième, heureusement pour lui. Tu oui, heureusement pour lui, oui. Il n'a ruiné pas totalement sa course. Donc. C'est vrai que oui, puis le jeu a été généreux avec lui. Il l'a replacé au milieu. On sait toujours pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Il s'en tire pas trop mal. Ben merci en tout cas d'être venu partager. Merci, bonne soirée. Et de bonnes fêtes à toi. Voilà, bonne soirée. Oui, mais merci. Bonne fête à vous. Merci.
Eh bien, messieurs, dames... C'était tout tout ? Oui, je crois qu'on va pouvoir conclure et terminer cette dernière course F1RS de l'année 2023. Eh bien voilà, donc c'était la dernière course de l'année 2023, comme tu dis. A priori, d'après ce que je vois sur les votes, on devrait normalement se retrouver début janvier pour la LMP3, a priori. Ça partirait plus vers ça. Ouais, c'est très serré, alors... Pour l'instant, oui, en effet, on va avoir sûrement un changement... on va avoir un changement de date. On aura un changement de date, ça c'est certain. Normalement, ça, c'est certain. Ça tend plus vers le début janvier que sur le début février. Mais bon, de toute façon, vous serez tenu au courant sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas, qu'il reste de la place si vous voulez vous inscrire, venez sur notre Discord. Voilà. Venez, venez, il reste de la place dans toutes les catégories. Voilà. Et on sinon, peut... la prochaine course, quoi qu'il arrive, tu l'as dit, c'est Watkins Glen, et ce sera le 14 janvier pour l'IndyCar. C'est ça. Voilà. Donc on a quitté Watkins Glen... LMP3 pour aller... Pour y aller en Indy, mais on aura sûrement... sûrement la course de l'MP3 avant et qui se déroulera celle-ci au Mans. C'est ça, le fameux circuit des 24 heures de la Sarthe. C'est ça, le circuit de la Sarthe. En effet. Bon, bah écoutez, passez tous de bonnes fêtes. Bonnes fêtes à tous. Réveillonnez bien. Et merci, voilà. Merci mon cher Olivier, merci mon cher Maxime d'avoir été là. Merci Maxime, bonne soirée. Et bonne soirée à vous. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bye.